Moi aussi, je voudrais une bière. Donc, nous sommes de retour pour notre survie à la recherche de la mine d'or, la mine sacrée. Et voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et on est juste à la recherche de la mine. Donc, la dernière fois, on n'avait pas vraiment. Genre, réfléchi à un plan. Parce que c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la carte. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire par élimination en fait. J'y ai pensé en fait de la faire comme ça avant qu'on commence. Donc, on va partir à l'aventure. Du coup, on va être un peu léger. Ça, c'est bien. Oui, ça se suffit. On a deux torches. On va repartir comme on avait fait la dernière fois, vous vous rappelez, où on est parti, en fait, on a fait que avancer. Et ben en gros, je voudrais faire un peu la même chose, en fait. Je voudrais faire un peu la même chose. 13 et 13, voilà. Comme ça c'est bien. Ah, il faudra en faire des thés. Il faudra faire des thés. Les allumettes, on va en prendre que 15 sur nous. Et on est à 35 kilos, sans compter la viande et l'eau. En plus, ce qui est bien. Excusez-moi. On n'est pas full vie, mais bon, ça devrait passer. Alors, on va rester tout le temps en hauteur. Et on va aller aux endroits en fait qu'on n'a pas fini de cartographier. Au passage, j'ai eu une mise à jour, ça y est, enfin. Donc, bah tiens, on va voir si lui, par exemple, il a été modifié. M'étonnerait. Ouais, non. What? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces idiots? Genre, c'est pour pas le faire ici, c'est ça? Mon Dieu. J'ai rien perdu au moins. Par contre, on va prendre un charbon en plus. Ah mon Dieu. Et là, il y a un baril enflammé maintenant? On passe toujours la tête à travers. Maintenant, il y a un baril enflammé ici. Et j'ai l'impression qu'on a moins chaud ici maintenant. Wow, super. Ah, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. C'est complètement débile. Vous voyez, alors, honnêtement, dites-moi dans les commentaires. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires. Quand le mec m'a dit, on teste notre mise à jour et tout ça, on teste tout ce qu'on fait. Pourquoi maintenant, pourquoi ils auraient changé ça de place? Et pourquoi ils auraient rajouté un baril ici? Pourquoi? C'est pas logique. C'est pas logique. D'un coup, ils se sont dit, bah tiens, on va changer ça de place. C'est pas grave, on a travaillé, genre, on va le détruire. C'est bien qu'on puisse les détruire, ça, maintenant. C'est pas grave, on a travaillé, genre, des mois sur la carte. On l'a fini et tout ça. On l'a vérifié, entre parenthèses, apparemment. Et puis, 4 jours après la sortie, ou 5 jours après la sortie, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va changer la map. On va changer des emplacements et on va rajouter des barils comme ça qui traînent. C'est. Genre, qui a des idées comme ça? Bon, bah du coup, merde. Voilà, j'ai pas le temps de faire le tri. Ah, très bien. On fout tout ça par terre, c'est super. Genre, qui a des idées comme ça? Vous voyez, ça m'énerve par contre, ça m'énerve. Parce que c'est pas quelque chose qui a été pensé, ça, du coup. Si vous le changez comme ça, c'est parce que vous ne l'avez pas testé. Ça me rappelle. Alors là, j'ai l'exemple parfait.
Pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y a très très peu de gens qui ont joué à ça, mais Resident Evil Resistance. Pour ceux qui suivent, qui me suivent pour les streams et tout ça, vous avez sûrement vu et vous vous rappelez. Je vais parler un peu de ça. Ah oui, d'abord je vais dire où est-ce qu'on va et après on va partir et je vais continuer ma petite histoire. On va commencer à refaire les zones d'ombre. Donc là on avait vu que c'était plus ou moins bloqué. Donc ce que j'ai envie de faire en fait, c'est repasser par là. Et commencer à redessiner en fait les endroits. Et il y a aussi un truc que j'y ai pensé en fait. Enfin, excusez-moi, je vais refaire ma phrase. Une chose que j'ai pensé la dernière fois, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une corde, ça veut dire qu'il y a un emplacement où l'utiliser la plupart du temps. La plupart du temps. Par exemple, là, on a trouvé une corde dans la cabane et il y avait une corde à utiliser juste à côté. Donc, il y a une chose qu'on a trouvée, et c'est pour ça que je l'ai marqué aussi la dernière fois, c'est qu'on a trouvé une corde là. Par contre, ici, on a vu qu'on pouvait monter, il y a des cordes. Donc, peut-être que ici on a loupé quelque chose. Parce que j'ai pensé à ça aussi. J'essaye en fait de penser à tous les... comment dire, les petits détails, en fait, qu'on peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les détails qu'on peut avoir. Après, il y a lui, avec le message qui dit « Il passe outre la haute prairie ». Donc, s'il est là, je dirais peut-être qu'il va vers là. Mais bon, on sait qu'il n'y a pas la mine ici, donc peut-être ici. Enfin voilà, vous voyez, on essaye de négocier un peu. Et après, on a trouvé un message aussi, je crois que c'était au contremaître ou dans la fabrique de mineurs, dans la maison peut-être, je crois, en disant que la mine n'était pas loin. Donc, en déduction, ça serait là. Et ce qui est bien, c'est que c'est la zone qu'on a le plus découvert. Donc on va continuer un peu de faire les parties d'ombre là, genre là par exemple ça, ça, et enfin non, ça on a vu que qu'on était la dernière fois, on s'est penché, on a vu qu'on pouvait pas y aller, enfin qu'on peut y aller mais on s'est juste désolé avec oh mon dieu, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, des arbres détruits, brûlés. Donc on va faire ça d'abord, et après on va commencer à descendre, on va faire ça. Petit à petit, on va refaire des détails en fait de la map. Voilà. Putain, ça a été dur pour expliquer tout ça. Oh la vache. Ah, donc, ma petite histoire. Donc, on va partir, on va repasser par l'ours. On va repasser par l'ours. On va prendre un steak encore en plus. Et on est bon. Ouais, je crois qu'on est bon. Donc. Mon histoire avec Resident Evil Resistance, c'est que, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un truc de PVP avec un méchant et 4... c'est un 1 contre 4, c'est un peu comme DBD et tout ça. Et ça m'avait rendu fou, en fait, quand ils avaient fait ce changement. C'est que, alors, à la base, le jeu, quand il était sorti, vous commenciez dans une salle, en fait, une sorte de salle de coffre-fort, en gros, avec une grosse porte, en fait, qui est entrouvert. La porte, elle est entrouverte. Et les survivants, en fait, ils passent cette porte pour après jouer le jeu de... ah oui, et aussi, on va suivre les insignes aussi, cette fois. Ça aussi, je voulais le faire, donc j'en avais déjà parlé, donc on va le faire. On va suivre les insignes, dans le bon sens, cette fois. Et donc ils avaient mis ça, donc quand on commençait un niveau, vous passiez cette porte entrouverte. Mais, ils l'ont changé. Au bout de quelques mois, ils ont complètement en fait supprimé cette porte et ils ont mis une sorte de, comment dire, de champ en fait magnétique en gros, de champ protecteur. Et vous pouvez complètement en fait voir à travers. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a dans la salle qui arrive et tout ça. Et voilà. Mais un gros changement comme ça pour moi. Ouais, non, c'est moins chaud maintenant, ces endroits-là. Vous voyez? Parce qu'avant, on avait minimum à chaque fois deux flèches. Et on avait au moins 15 degrés. Ils ont changé ça aussi. Très bizarre, les changements de la mise à jour. Pour l'instant, j'aime pas vraiment. Enfin bref, c'est pas grave. Et... du coup, moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu un changement comme ça, je me suis dit, mais en fait c'est parce que les développeurs, ils ont jamais testé leur jeu. Ils ont jamais testé suffisamment leur jeu. Parce que pour enlever genre une mécanique comme ça qui est aussi grosse, donc on va prendre le pont, hein,
qui est aussi grosse d'avoir des portes entrouvertes et après vous supprimez complètement les portes, pour moi c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Pour moi c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. En moins pire évidemment, mais pour moi ça... Ça revient sur le même principe du fait que non, c'est pas assez testé, quoi. C'est complètement pas assez testé. Enfin bref. J'arrête de... C'est pas que je me plains, c'est juste que... C'est comme ça, quoi. C'est pas autrement, hein. Qu'est-ce que je vous dis, ça ? C'est un fait. C'est un fait. On peut aller là. C'est simplement un fait, en fait. Et ça m'embête, ça me frustre. Ça me frustre énormément de voir ça, en fait. De voir des problèmes comme ça. Ah oui, et on va encore rester en hauteur. Oui, non, ça je l'ai expliqué déjà. On va rester en hauteur. On va pas descendre où il y a les loups et tout ça. On va essayer de voir le plus possible depuis la hauteur. Donc la corde, on l'avait trouvée à côté d'un feu, je crois. C'est les lapins. Enfin, je me rappelle plus trop si c'était ce feu-là ou un autre, ou alors... Bon, on l'avait déplacé. Ah non, non, le pont, il est là, pardon. Non, non, cette corde, je crois qu'on l'avait trouvée sur le pont, c'est ça? Je crois qu'à un moment, ou alors sur un rebord, un truc comme ça, un truc en bois. Je crois bien. On va passer la corde. Après, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez regardé aussi. J'avais dessiné ça. Ouais, on doit être là. Mais c'est bon, pas. Enfin, vous voyez que, voilà, c'est... Encore une fois, hein, c'est pas... J'ai toujours peur que les... Par contre, le pont, maintenant, il fait beaucoup de bruit. Ouais, j'ai l'impression que le pont, il fait beaucoup, beaucoup plus de bruit. Y'a quoi, là-bas? Y'a rien. Okay. Voilà, c'est pas pour me plaindre, c'est juste des faits, quoi, au final, hein. C'est juste voir ce qui se passe, quoi, et c'est un peu embêtant à chaque fois. Je me rappelle... Il y avait une personne qui avait détesté regarder mes vidéos de Fallout. À l'époque, Fallout 4, ça a genre 5-6 ans, un truc comme ça. Non, peut-être pas autant. Où j'avais dit qu'il y avait des bugs et tout. Tout le monde sait qu'il y a des bugs sur Fallout. Et la personne n'avait pas aimé apparemment que je parle des bugs. Genre la personne, elle veut que... C'est par là qu'il faut passer, je m'en rappelle même plus. Elle veut... Oh! C'est pas... Non, c'est pas un... C'est trop gros. C'est trop gros pour un rocher, pour les cordes. Ça, là-bas. Ah, voilà. C'est bien. On est sur la bonne voie. Et la personne avait... J'ai l'impression que c'est tout bête. J'ai l'impression qu'il fallait suivre les panneaux depuis le tout début, en fait. Alors que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, au final, parce que je le prenais toujours à l'envers. Je crois qu'il fallait faire ça depuis le tout début. Enfin, bref, on va voir. Oui, c'est là qu'on avait trouvé la corde, je crois. C'est pas loin. Il fait combien? Il fait moins 11. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, en fait, en gros, la personne, elle voudrait que je sois quoi? Un robot? Que je joue simplement... On peut aller là-haut? Que je joue simplement au jeu, en fait, sans montrer les choses et tout ça. Les gens, ils sont bizarres, des fois. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon. Ouais, je crois que le bruit du pont est beaucoup plus fort, maintenant. Ça aussi, ils l'ont jamais testé ? Très bien. Donc on est à la recherche de panneaux. En fait j'aurais dû expliquer au tout début qu'on est surtout à la recherche de panneaux. On les prend dans l'ordre.
cette fois, au lieu de les prendre à l'envers. Je voudrais bien trouver un endroit pour qu'on se réchauffe. Cela il fait superbe. Ah, on peut faire du feu. On peut faire tout simplement du feu. Ah oui, là je me rappelle, on était passé par là. Là y a rien, là y a rien. Ok. Ah, par là. Je me rappelle plus s'il y a un endroit chaud, proche. J'ai l'impression qu'on devrait faire du feu en fait, juste à côté. Genre comment ça s'appelle? On fait du thé pour se réchauffer. On va continuer un peu sur la droite et après on va faire un feu. Ah oui, mais j'ai pas de bois. J'en ai... Ah voilà, c'est là, c'est là, c'est là. C'est bon, on a trouvé. C'est là. Donc on va prendre la corde. Et comme j'ai dit, on va suivre le chemin qu'on est, je sais pas, entre parenthèses, supposé prendre. Genre on va suivre les flèches. Par contre, s'ils nous disent de repasser par la grotte... j'espère pas en fait. Donc du coup nous on est ouf de ce côté comme ça ou comme ça. Je sais plus. Le pont est là. Il y a un panneau. Il y a un panneau. On va faire ça en fait. On n'a pas besoin de. Pas besoin de faire du feu. On va prendre la corde avec nous quand même. Ah, très bien. On va prendre ça. 43, ça va. Ah, c'est parti. Il fait super beau en plus, ça c'est bien. Alors, donc faut monter, je vais voir un peu. Il y a rien, il y a rien. C'est bien parce qu'on a vraiment un super temps pour ça. Je suis assez content. Bon, pour l'instant, on a l'air d'aller quelque part, mais bon. C'est vrai que j'aurais dû peut-être faire ça depuis longtemps, tout simplement. Là, c'est la grotte, on la connaît. Genre de suivre les panneaux. Maintenant, il faudrait trouver un autre panneau. Il y a ça... Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé des choses ici. C'est vrai que peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, là, avec, avec ça. C'est quoi, ça? On est déjà allé? Là-bas, ça. Ça, tout ça, là, c'est quoi, ça? Putain, il nous faut des jumelles. C'est des rails? Pour genre un chariot, non? Putain, on était déjà passé par là. Comment? Est-ce qu'on peut accrocher une corde ici? Ça serait trop bien qu'on puisse accrocher une corde là. Attends, je suis bloqué. Oh waouh, super. Ok, merci. Oh, c'est ici. Non, la blague. Oh, la blague. C'est ici. Alors ça, je trouve ça
Désolé, mais je trouve ça pute. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas le même rocher. Parce que c'est super inconsistant, en fait. Enfin, à la limite, j'ai envie de dire peut-être oui, c'est peut-être le même rocher, mais il est adossé à d'autres rochers. Avec des baies. Et du coup, j'ai pas vu. Mon dieu, je crois que c'est là. Je crois qu'on l'a trouvé. On va directement descendre. Je crois que c'est la mine. Oh putain, on est passé à côté. On est vraiment passé à côté il y a pas longtemps. Putain, j'étais sûr d'avoir vu ça pourtant. On va voir, on va voir. C'est peut-être pas ça après. Hein. Peut-être une erreur. C'est vrai que des fois, le temps, hein, ça peut y jouer. Hein. Ça peut jouer. Alors, par contre, on est descendu, donc faut faire gaffe. Oh, il y a des bois et tout. Ouais, on n'est jamais venu ici. Mais je me rappelle qu'on était venu de l'autre côté, nous. Et après, on était rentré, du coup, on avait continué comme ça. Hop. Je me rappelle de ça. Oh mon dieu, il y a 4. Très bien. Bah, du coup, c'est ma faute. C'est vrai que je l'avais dit en plus quand on avait vu ça. J'avais dit, ah ben tiens, on dirait un truc pour miner, pour les mines et tout ça. Enfin, pour, vous savez, avec le seau ou des trucs comme des puits, là, j'avais expliqué. Mais j'avais pas trouvé la corde, enfin, l'endroit pour bloquer la corde, pour attacher la corde. À cause du fait que le rocher, bah, il était adossé à d'autres rochers, donc du coup, ça faisait une autre formation. Si j'avais vu ça, directement, on était bon. J'aurais directement trouvé la mine. Ouais, c'est la mine, là. Regardez, il y a des chariots. Camp de mineurs. Oh, yes, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Oh, on a assez de lumière. Vous pensez qu'on a assez de lumière? On va aller se réchauffer avant de dessiner. Vous pensez qu'on a assez de lumière? Il y a du charbon dedans ou pas? Non. Mon dieu, c'est quoi ça? Non mais je suis claustrophobe, moi. Je suis claustrophobe. C'est quoi ce bruit? Mine d'or. On y est. Alors, c'est quoi ça? C'est de l'eau qui tombe? J'ai envie d'utiliser la... J'ai envie d'utiliser la fusée. De toute façon, elle est en pleine forme, on va pas dormir. Non, ouais, non, on va prendre la fusée. Cette fois. Parce que là, on a trouvé la mine, donc... Et si jamais il y a quelque chose, il y a genre des loups, je sais pas trop quoi. Des allumettes, yes. Une écharpe, on s'en fout. Le livre, on s'en fout. Les bottes. Les bottes, on s'en fout un peu aussi. Alors, par contre, ça, il fait combien? Il y a 1,32 de litres. On peut faire du feu. On va laisser le jerrycan là parce que c'est lourd. Quoi? C'est quoi ça par terre? C'est de l'eau? Oh, ça nous... Il fait froid! Regardez, regardez la température.
La température baisse. Oh, c'est de l'eau gelée en fait. Oh, d'accord. Intéressant. Oh, c'est la première fois qu'on voit ça. On avait vu la cascade et tout ça, ça on connaissait. Le coup de la cascade, mais le coup de l'eau froid comme ça et on passe et tout, c'est... Ah, c'est sympa ça. Très 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 sympa. Je prends du charbon au cas où aussi. Non. J'ai cru entendre un aboiement. Mais... 100%, très bien. Ouais, bah en fait, je prenais du bois et de et des et du charbon si jamais on doit faire un feu. Ah, il y a encore de l'eau glacée là. On a combien ? On a 40-50. Ah putain. Un peu plus lourd du coup. On peut aller là? Ah oui. Non. Pas besoin de charbon. Ça c'est du décor apparemment. Oh! Yes! On a les objets. Attendez, d'abord on fait le tour de la mine. On fait le tour de la mine d'abord. On va regarder un peu à droite, à gauche. Après, on prend les objets. Ah, on aurait pu les avoir tellement tôt. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est pas grave, hein, mais c'est marrant d'être passé à côté. Vous voyez, des fois, on passe à côté de choses. Vous vous rappelez, ça me rappelle le jour où on avait... ah, ça, c'est pour extraire les choses. Ah non, c'est pour le faire avancer, en fait. C'est sur un... Ok. C'est sur un rail. On avait campé à côté, genre derrière un arbre... en pleine tempête, parce qu'on voyait strictement rien. Et il y avait une maison juste à côté, en fait. Il y avait une maison juste à côté, c'était marrant. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Non, rien. Ah, attendez, on va faire ça. C'est une belle photo, en fait. Comme ça. Bah attendez, on va mettre un feu en fait. Hop. On va allumer un feu. Et comme ça, ça me fera mon... Ma petite miniature sera jolie. Ça sera stylé. Je suis sûr que je suis le seul à avoir pris autant de temps. Bon, toi tu fais du bruit, hein, t'es chiant. Je suis sûr que je suis le seul à avoir pris autant de temps à trouver. Voilà, là c'est joli, là on peut, là on voit bien. À trouver tous les nouveaux objets. Et j'en avais pas parlé. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé en fait dans les commentaires. Donc il y a pas mal de commentaires que j'ignorais en fait exprès. Ou alors j'en parlais pas exprès. Donc on a un établi. Ok, on a... On va le prendre, mais ça sert un peu à rien. On a ça. On a ça. On a qu'à le mettre... un peu de charbon. Donc on a les crampons et le sac à dos. Donc on va regarder ça d'abord. J'ai bien fait de prendre mon meilleur sac à dos. J'ai eu quelques douleurs de poitrine après les hautes chutes, mais après la dernière opération, ça m'a semblé normal. Je vais me réfugier ici jusqu'à ce que la tempête soit passée. Demain, je vais au sommet de la gueule du loup et je rentre à la maison. Alors d'abord, on va prendre les crampons. Alors, vos pieds sont adhérés. Vous consommez moins d'endurance lorsque vous montez à la corde. Ça, c'est vachement bien. Les entorses sont moins fréquentes et vous courez moins de risques sur la glace fragile. Alors, moins de risques sur la glace fragile, c'est un peu étrange, en fait. Je pense qu'ils veulent imiter, genre, on tombe pas parce que ça s'accroche à la glace. Mais dans le jeu, on tombe pas.
quand on marche. On tombe dans la glace, donc avoir ça par contre, je pense pas que ça nous aide à ne pas tomber dans la glace en théorie. Par contre, ça marche comment? Parce qu'il n'y a pas de... Oh, c'est un accessoire. Oh merde. Avantage, pied sûr. Pied sûr. Les pointes d'acier de crampon améliorent votre adhésion sur la glace. Grâce à eux, vous pouvez monter la corde plus facilement. Les entorses sont moins fréquentes et la glace fragile est moins dangereuse. Ouais, on les... ça c'est bien qu'on les voit en fait sur le modèle. Ça c'est cool. Ah mais ça nous... What? Par contre, on perd encore du sprint, quoi. Oh la vache. Mais on gagne 70% d'étanchéité. Sérieux? Et 10% de protection en plus. Ah mais du coup, on peut pas... Ouais, du coup, on perd en chaleur, en fait. Intéressant. Est-ce qu'on l'entend? Je crois qu'on l'entend. Ouais, là on n'entendait pas normaux. Ah c'est bien. Non, ça. Ouais. Ah c'est sympa, c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. Bon par contre ça m'embête parce qu'on n'a plus le cache-oreille du coup. Ouais, c'est un peu bête. Après, on peut enlever le sac. Bon, maintenant, le plat principal. Le sac à dos technique. Un sac à dos robuste avec toutes les options. Il vous permet de transporter davantage de matériel avant d'être en surcharge. Il est stylé, hein. Il est stylé. Lire le texte. Un sac à dos robuste avec toutes les options, il vous permet de transporter... Ok, ça marche. Prendre 0 kg. Plus 10. Sac à dos technique équipé, capacité de transport augmentée. Ah, sac à dos technique. Ah, vous entendez? C'est pas le même bruit. Et c'est pas le même logo aussi, je crois. On peut l'enlever? Non, on peut pas l'enlever. Dites-moi hein, si je suis con, hein, mais... Non, 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 c'est pour ça qu'il est à 0 kg. En fait, parce que là, il y a du poids, ça fait 0,50, et le sac à dos fait 0, donc quand vous l'équipez, bah, vous l'équipez à tout jamais. Du coup, on a gagné combien, non? On a gagné que 5 kg, c'est pas beaucoup. C'était pas 10 ça? Non, c'est 5. Je m'en rappelle plus. Putain, j'ai un trou de mémoire là. Qu'est-ce qu'on a gagné 5 kilos, c'est ça? Parce qu'on était à 40. On a plus 15. Ça fait quoi? C'est 3 fois 5? Bien nourri. C'est 5. La sacoche, c'est 5. Et le sac à dos, c'est 5, c'est ça? Ou pas? Bah oui, il n'y a pas d'autre. De toute façon, il n'y a pas de... Il y a 3 objets, il y a 15 kilos en plus. Ça ne peut pas être autre chose, vraiment. Non, c'est ça. Hein. Bah, ça va, c'est cool. Ah, faut que je m'habitue à ce bruit, par contre. Ah, attendez. Ça à manger. Ah, c'est pas grave. Ben vous voyez, ça ils ont mis trop de temps à le faire en fait. À faire un système, pardon, ça c'est la carte. À faire un système comme ça. Ils ont mis trop de temps à faire. Ils ont commencé avec bien nourri et ça c'est venu je crois l'année dernière. Et ça aussi ça a mis trop de temps à venir honnêtement. Et maintenant ils commencent avec les objets uniques. Genre les crampons, le sac à dos technique maintenant.
Ouais, donc c'est bien ça. Donc maintenant on a eu 3 fois 15. 3 fois 5. Je crois bien. Bah c'est pas mal. Je pensais qu'on allait peut-être monter. Je pensais que c'était plus 10 kilos, mais bon, 10, vous imaginez, on peut transporter 50 kilos de matériel. Ce serait quand même un peu beaucoup. Mais vous voyez, voilà, des percs en fait qui restent comme ça, ce serait vraiment cool. Donc on garde la sacoche. Et après, si jamais on veut vraiment plus de bonus de chaleur, on pourrait faire ça. On gagne 1. Mais là, après, voilà, on a 40 kilos. On va garder ça de côté. 0,25 quand même. Bon, c'est très très bien. On va faire cuire des choses vu qu'on a fait un feu. Autant en profiter. Ah, on a la musique de... La musique de The Thing, comme je l'appelle. Parce qu'on est dans une mine. Bon ben, je suis assez heureux. Je suis assez heureux. Et le truc, c'est que... Les épisodes précédents, là, où on est passé à côté de la mine, ils sont pas encore sortis. Donc, dans les commentaires, je dois avoir plein de commentaires en me disant « Mais la mine, elle était juste là, il fallait juste descendre, il fallait accrocher la corde et tout ça. Il suffit juste de... il suffit juste de suivre les panneaux. » Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me l'ont dit. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire de l'eau. Ah, très bien. Bon, il n'y a rien sur le... Là. Genre un hameçon. Non. Vous avez vu comment le, ça éclaire vachement mieux que le flair. Un peu étrange à chaque fois. Bon allez, on se casse. On peut aller par là. Oh, c'est pas fini. On a fini, est-ce qu'on a fini toute la... La mine. Enfin, ce passage en tout cas. On pourrait dormir ici. Hein. Je pense qu'on va devoir dormir ici. On va utiliser le sac de couchage. Ah, un truc qu'on aurait pu faire, c'est prendre plus de charbon. On est à 45 kilos maintenant. C'est sympa le bruit. Je suis pas encore habitué. Pas encore habitué au pas et au sac. C'est une autre sortie, ça? Putain, c'est où? Où est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est une autre sortie?
Je sais où on est. On est là. Attends, 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 attends. Non, on va pas prendre ce chemin-là. Enfin, attendez, on est au-dessus. On était passé où par où, nous? Par là? Je crois qu'on peut passer par là, comme ça. Ou alors, il y a encore une corde à prendre. Je m'en rappelle plus. Ah, je crois qu'il y a encore une corde à prendre. Je crois qu'il y a 3 cordes en tout. Ça, c'est la première. C'est la deuxième, on est juste à côté. Et je crois qu'il y a la troisième, là. Et après, après on est au-dessus. Ouais, on va reprendre la mine. On va reprendre la mine. Quoique, on peut prendre la corde quand même. Non, la corde elle est longue. Non, 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 non. Elle est longue. Elle est longue et on est fatigué. Oh mon dieu, ce bruit. On est passé 2 fois à côté de la mine. On est passé en hauteur et on est passé là devant. On l'avait juste pile en face de nous en fait, quand on montait les cordes. Incroyable. Ouais, du coup, faut repasser par l'eau. C'est pas grave. Pas grave. Ça va, gueule pas comme ça, ça va pas la tête. Oh. Doucement. Ça va les bruits là. Alors, moi je veux ça. On a pas besoin, mais vu qu'on peut transporter. C'est quoi ce bruit? On dirait. On va se casser d'ici. On va se casser d'ici. On se casse. Ça fait trop de bruit bizarre. On se casse. Attendez, on va se mettre là. Mine d'or. Très bien. Putain, c'est bien de... On a quand même beaucoup de choses sur nous et on est toujours à 40. Enfin, on est pas en surpoids encore. C'est vrai que c'est pratique. Alors, on peut faire le chemin inverse, tout simplement. Je pense qu'on risque d'aller dormir dans la mine. C'est peut-être le plus sage. Mais je veux un peu voir ce qu'il y a là. Enfin, voir ce qu'il y a là. On peut voir ce qu'il y a là. Ouais, je crois que c'est le mieux, c'est de reprendre le chemin qu'on a pris. Avec la corde. Parce que sinon, on va descendre, en fait, là. Il y a un truc là? Un cadavre? Il y a un cadavre! Ah mon dieu! Il n'y a rien.
On va rentrer dans la mine. On va aller dormir dans la mine. Bon bah mission résolue. On a résolu notre... On a atteint notre but. Je suis assez content. Allez, on va dormir là-bas. Parfait, 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 parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va encore continuer notre exploration ici. Attendez, il y avait des caisses. Oh mon dieu. Ok. Là, ça c'est bien qu'on ait aussi le jerrycan, on va pouvoir faire des torches. On va finir ça. On va dormir 10 heures. On va rentrer à la maison et on finira l'épisode. Du coup, ouais, du coup c'est cool. Donc si jamais vous... si jamais vous voulez faire un... comment dire... Faire une nouvelle... comment dire... Surrounded by snow and nothing to drink. Une nouvelle survie. Il faut penser à venir au Ash Canyon. Oh putain, il faut le réparer. Ou alors ça, ou c'était juste 95%. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bouton action, donc j'imagine que ça, ça va pas bouger. Il faudrait vraiment aller... Enfin, penser à aller au Ash Canyon, en fait. Enfin, au canyon de descendre assez rapidement. Ouais. En plus, c'est pas très difficile. Il faut juste aller au Mont Timberwolf, honnêtement. Vous avez même pas besoin de faire le Mont Timberwolf. Il faut juste aller sur le côté, là. Donc, c'est vraiment simple. Et après, il faut un peu, ouais, il faut un peu connaître le canyon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attendre? Il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien du tout à faire. Sans déconner. Ah. Ouais, honnêtement, non. ça vaut même pas le coup d'aller voir. Ça vaut même pas le coup d'aller voir. Doit déjà être un tout petit peu mieux. Ramasser. Oh, très bien. Let's go. Maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer une survie? Ou pas? Il y a quelque chose qu'on pourrait faire, et je crois que beaucoup de gens vont aimer. Ce qu'on pourrait faire, c'est on garde cette survie de côté. Genre là, on l'a fini en gros, parce que là, on a fait la nouvelle zone et tout ça. Peut-être que je vais faire encore quelques épisodes. Je crois qu'on arrive quasiment à l'épisode 100. On va peut-être s'arrêter à l'épisode 100. On va faire encore quelques épisodes à faire un peu le tour de la nouvelle zone. Pour voir si on a loupé des choses. Et à l'épisode 100, on va s'arrêter. Là, j'ai une bonne idée. Et après, on va faire une custom.
Je pense. On va faire une custom. Ok, on y va. Je vais voir un peu si on consomme moins d'endurance. Elle a l'air de monter plus vite, non? Ah ouais, on consomme beaucoup moins parce que là on peut le faire en une fois, honnêtement. On va se reposer. Ah oui, non, c'est quand même mieux. C'est... Ah oui, non, c'est quand même beaucoup mieux. Avec ça. Ah oui, 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 oui. Ça vaut vraiment le coup. Et ce qu'on peut faire, alors ça va être une... Comment dire Arrête de parler en même temps. Une survie custom avec la nuit infinie. J'ai pensé à faire ça. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté le fait que dans les customs, on puisse choisir la nuit infinie. Je pense que ça peut être intéressant. Et ça restera notre survie. Genre, je l'efface pas, je garde bien la sauvegarde et tout ça. Et quand jamais, si jamais il rajoute une nouvelle carte, on la ressort. Non ? Ça serait pas mal, ça, non ? On la ressort parce que vu qu'elle est équipée à fond et tout ça, ça sert à rien de... On va pas relancer une survie juste comme ça pour le kiff, parce que voilà quoi, parce qu'on a genre fini, ça sert un peu à rien, sinon... Non, c'est pas intéressant. Enfin, on a déjà tout vu, vous voyez ce que je veux dire ? On a déjà tout vu. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais voir un peu après comment ça se passe, custom. Putain, c'est fou, on peut tout prendre. C'est fou de faire ça. Ah non, encore une tempête. Non, non, ça va. Là, c'est vrai que c'est bien quand même. 45 kilos, c'est plus que nécessaire. Avec le fait d'être bien nourri aussi, ça aide. On peut... Non, on va faire ça. C'est vrai que ça nous aidait beaucoup. Après, il y a les sacs de l'élan et tout. Mais c'est vrai que, vu qu'on faisait des... On est en intrus déjà. Mais on faisait des explorations assez longues, des fois, qui pouvaient durer pas mal de temps. On arrivait quand même à... C'est par là? Non, c'est pas par là-bas. On arrivait quand même à chaque fois à 41 kilos, 42 kilos des fois. Si on prenait un peu plus de bois ou un peu plus de nourriture. Donc là, être à 45, c'est le pied. On n'est jamais à 45. Si on est au-dessus de 45, ça veut dire qu'on est en train de rentrer à la maison et qu'on a pris genre plein de bois ou plein de trucs. Ouais, je pense que ça va être bien. Parce qu'en plus, cette survie, elle est vieille. C'était avant qu'ils rajoutent par exemple les bombes de peinture. Je crois que... je crois qu'ils avaient... je sais plus ce qu'ils avaient rajouté entre temps dans cette survie. Les loups gris ? Mais les loups gris, ils les avaient rajoutés juste avant. C'est pour ça que j'avais recommencé une survie, je crois. Si je me rappelle bien. Je crois que cette survie-là, elle est basée sur la mise à jour des loups gris. De la crique lugubre.
Donc ça c'était nouveau. Donc ça c'était nouveau. Ouais, et entre temps ils ont rajouté, on a eu deux mises à jour du coup. On a eu les insignes là avec les bombes de peinture, les... Ah, la carte aussi, exact, la carte. Le cartographeur, bah c'était en fait avec les bombes là, avec les bonbonnes, les bombes de peinture. Genre de pouvoir dessiner beaucoup plus avec quoi on prend de l'altitude et tout ça. Et après, maintenant, celle-là. Avec la nouvelle zone. Donc ouais, c'est vrai que cette survie aussi, elle est vieille. Donc, commencer déjà avec... commencer une nouvelle survie va être dans un sens mieux, parce qu'il y aura déjà toutes les nouvelles choses, en fait, disponibles. Et puis pour... pour dessiner les cartes, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas faites, en fait. Au tout début, parce qu'il n'y avait pas encore la mise à jour de... du chaos, la vache. Oh mon dieu, j'arrive pas à avancer. Du cartographeur, cartographier, je sais plus le nom en anglais. Je crois que c'est quelque chose, cartographeur. C'est là, c'est là. Donc ça me paraît pas mal. Et on fait une survie peut-être avec les armes à feu aussi. J'ai pensé. J'ai pensé à ça. On avait fait une survie avec les armes à feu. Mais la saison n'avait pas duré extrêmement longtemps. C'était à gauche ou à droite? Merde, je me rappelle plus. C'est là? Non, là c'est la grotte. C'est par là-bas. Oui, c'est par là-bas le village. Ouais, la saison n'avait pas duré très longtemps. On avait trouvé un fusil, je crois, et basta. On n'avait même pas trouvé le revolver. Donc c'était un peu pourri. Ça c'est parce que j'avais lancé en fait cette saison là avec le revolver, pour ceux qui l'ont vu. Juste après la mise à jour avec le revolver du coup. Et après ils ont fait un correctif, un gros correctif en fait sur cette mise à jour. Parce que les pourcentages en fait d'apparition du revolver étaient extrêmement bas. Et pour des parties en fait il n'y avait même pas de revolver. Et nous on l'a jamais trouvé à cause de ça. Parce qu'on avait déjà fait pas mal de zones. Et en gros, le correctif, il s'appliquait sur les zones que vous n'aviez pas visitées pour faire apparaître les objets. Et du coup, on l'a jamais trouvé, le revolver. Faire attention. J'en ai pas un nouveau. Non, ça a l'air d'être ok. Donc, ouais. Attends. Non, c'est bon. Donc ouais, du coup, on l'a jamais trouvé, le revolver, dans notre survie. À cause de ça. Donc ça serait pas mal de retenter. Quoi, le bruit des lapins? Après, je sais pas si ça marche bien. Hein. Je pense que je vais tester. Et je vais tenir au courant de faire une survie que de nuit. Je vais tester, voir si ça marche. Et je le dirai dans le prochain épisode. Enfin, si j'ai le temps. Si j'ai le temps de tester. Parce qu'il faut penser que
tous les événements d'Halloween et tout qui ont été, qui étaient tout le temps en pleine nuit, genre 4 jours de nuit, des trucs comme ça, ça a jamais été en intrus. Parce qu'il faut trouver quand même de quoi s'éclairer. Et ça, c'est le gros problème, en fait. Donc en intrus, on va pas trouver grand chose. Donc faudra voir. Parce que si c'est pour voir un écran noir toutes les 5. Enfin, pendant une heure, c'est pas intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont rajouté même des bâtons. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous faire une survie si c'est pour regarder un écran noir tout le temps, quoi. Ce serait complètement inutile. Très bien. Ce bruit. C'est stylé. C'est stylé. Donc on a le jerrycan. Très bien. Après, ce qu'on peut faire, ça je pense pas que je vais garder. Je préfère garder tout le temps les crampons en plus. Ça protège de l'humidité, ça protège du... Ça fait de la défense en plus et tout. Un truc qu'on pourrait faire aussi, du coup, ça serait devoir pêcher en fait beaucoup pour faire beaucoup de fuel. Pour si jamais on fait si on teste une survie dans la nuit, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, ça va être long et chiant, donc je vais devoir faire des ellipses énormes en fait. Faire que pêcher pendant genre 3 jours, par exemple. Comme ça, on pourra utiliser les torches et tout, parce que comme ça, les jeux, vous... Ah, il y a encore un objet, là. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce qui se passe. Pourquoi il y a du bois partout, là? Ça, c'est parce qu'ils ont modifié la map et ils ont rajouté du bois. Ah mais du coup ça sèche plus. Ah mais je suis bête. Attends. Ça sèche toujours ici ou pas? Terminé à 16%. Bah du coup j'ai un doute en fait. Si je le mets par exemple là, elle est en plein extérieur. Ah, parce que maintenant ça dit séchage. Il me faudrait quelque chose qui a pas séché. Ouais mais non, j'ai tout mis par terre déjà. Ça peut-être. Ah oui, c'est les nouveaux. Ok, non, là ça marche pas. Et là ça marche. Ok, ça marche. Donc ici ça marche. Eh oui, quel con. Ah, très bien. Voilà, là on laisse sécher. C'est pas mal cet endroit parce qu'en fait ça nous fait une réserve. Là vous foutez n'importe quoi, du bois et tout ça, votre réserve de bois à la con. Et puis après vous travaillez ici et vous allumez ça en fait pour pas avoir froid. C'est pas mal. Là ça a du sens en fait. Vous voyez quand on réfléchit 5 minutes. Ça a du sens comme ça. Mais ils auraient dû le faire avant. Ouais non, ça sert à rien. Je voulais aller voir la maison du contre-maître s'ils avaient changé quelque chose, mais ça m'étonnerait. On va aller dormir. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode. Oh la vache, ça m'a fatigué. On a fait beaucoup de choses. On a fait quasiment toute la map. Il y a encore des endroits qu'on peut
qu'on peut aller chercher, et c'est ce qu'on va faire, je pense, dans les épisodes qui suivent. Et je pense que je vais tirer la survie jusqu'à l'épisode 100. Si jamais il y a vraiment rien à faire, on l'arrêtera avant, parce que c'est vrai que, bon, faut pas exagérer non plus. Mais, est-ce qu'on peut faire aussi... Bon, les photos instantanées, par exemple, ça, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que il faudrait retourner sur des vieilles zones, parce que ça a été... Ah oui, c'est vrai que ça aussi, ça a été rajouté pendant la survie. Donc, du coup, il faudrait revenir sur d'autres zones pour aller trouver ces photos et tout ça. C'est une galère, ça serait horrible de faire ça. Parce qu'il y a des zones où on a... genre, le site de la désolation. Voilà, super. Autoroute vétuste, on a rien. Autoroute côtière... L'autoroute côtière, bah du coup, c'est ça, apparemment. Ravin, lac mystère, oui, parce que ça, on y est resté beaucoup. Et on avait commencé par là aussi, par la, le lac mystère, quand on a commencé à dessiner les maps. Là aussi, on avait trouvé deux photos, je crois. Creek lugubre, on a quasiment rien fait. Bon, ça, c'est ma faute. La voie ferrée aussi, on avait commencé, c'était pas mal. Milton, on l'a beaucoup fait, on l'a bien fait même. Vallée de la rivière Cam aussi, on l'a très bien faite. Vallée charmante aussi, pareil. Timberwolf et Canyon des Cendres. Donc vous voyez, toutes ces zones-là qui n'ont pas été faites, autoroute côtière, la nord autoroute côtière, normalement on devrait la faire facilement. Mais ça c'est parce qu'on y était avant qu'ils mettent la mise à jour. Donc voilà. Donc ouais, peut-être recommencer comme ça, ça serait bien. Je pense que ça ferait bien. Et du coup, maintenant, on sait où aller pour récupérer les très très bons objets. Ouais, on va faire ça. Là, ça m'a redonné le goût de l'aventure. Il me fallait une raison, ok? Il me fallait vraiment une raison, en fait, pour refaire une survie. Et ben là, je crois qu'on l'a. J'ai beaucoup parlé pendant cet épisode, je suis désolé. J'ai énormément parlé. Mais là, on a la motivation, en fait. Et bien sûr, on va utiliser le bonus de utiliser moins d'endurance en fait pendant la nuit. On va prendre ça aussi. Évidemment, c'est fait exprès. Hein, c'est pour ça qu'on va rester, on va faire genre la survie dans la nuit. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao.